L'homme a fait de très gros progrès ce trimestre à l'école. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Faut marquer le coup en lui faisant un cadeau pour l'encourager à continuer. Ah, et moi aussi j'ai de bonnes notes à l'école. Mais ouais, bien sûr. Attends un peu, il va pas rester très longtemps leur chouchou, le microbe. Le cobaye. Microbe, tu sais que toi et moi, on n'est pas frères et sœurs. Puisque je suis une alien. Un peu que je le sais. Heureusement que t'es pas ma vraie sœur, d'ailleurs. Bonjour, madame. Je voudrais 2 baguettes et 5 kilos de bonbons, s'il vous plaît. Dis-moi, je vois que tu es en pleine forme aujourd'hui, Tom. Ce que tu sais pas encore, c'est que papa et maman aussi sont des aliens. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas eux tes vrais parents. Mais ouais, c'est ça, t'as raison. Grippy et Flipper aussi, c'est des aliens, je suppose. Capitaine Courage va pulvériser le terrifiant brontosaure. T'approche pas, espèce de menteuse. Je sais que c'est pas évident d'apprendre que ses parents sont des aliens. Sûr que ça doit pas être très sympa. Surtout que du coup, tu te retrouves tout seul contre 3. Papa et maman sont pas des aliens d'abord. Attention, les parents passent à l'attaque. Arrête de mentir. Si papa et maman étaient vraiment des aliens, ils me l'auraient dit. C'est ça? Parce que tu crois vraiment qu'ils t'auraient avoué la vérité juste pour te faire plaisir? Bah ouais, c'est sûr, puisque les parents mentent jamais, jamais. Bah voyons, et pour le home cinéma alors, ils t'ont pas menti peut-être? Mon pauvre microbe, t'es prêt à croire n'importe quoi. Même si tu veux pas l'admettre, tout au fond de ton subconscient sans cervelle, tu sais bien que c'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est que comme des millions d'autres bébés humains, tu as été enlevé à ta vraie famille pour devenir un des cobayes d'une grande expérience alien intergalactique sur les êtres humains. N'importe quoi! Non, c'est impossible! Papa et maman sont trop gentils pour être des aliens. D'ailleurs, je te signale qu'ils disent toujours que je leur ressemble. Ah ouais, carrément. Sérieux, microbe, tu vas quand même pas me dire que tu t'es jamais douté que les parents venaient d'une autre planète. Si, jamais. Papa et maman sont mes vrais parents. Ils m'ont toujours aimé de tout leur cœur. C'est ça, tu savais peut-être pas que papa avait un émetteur à micropuce électronique caché dans sa dent? Et que maman régénère son enveloppe alien qui est attaquée par l'oxygène de l'atmosphère terrestre? T'as jamais remarqué non plus que les parents avaient pas encore compris comment s'habillent les terriens? T'es vraiment pas malin. Autre chose que tu sais pas encore, c'est qu'aujourd'hui, tes faux parents aliens préparent un complot contre toi. Je te préviens gentiment, hein. Ils ont l'intention de t'atomiser. Retour à l'actualité. Ce matin à l'aube, plusieurs animaux du zoo municipal sont... Papa! Maman! Vous savez ce que l'alien vient de me dire? Que vous aussi, vous êtes des aliens! Mais c'est pas possible! Et la police, qu'est-ce qu'elle attend pour intervenir? Quoi? Non, sérieux, arrêtez! C'est pas drôle du tout! Mais tu te rends compte? Un kangourou qui se balade en liberté dans le centre-ville. Eh, mais... maman! Papa! Oui, Tom, qu'est-ce qu'il y a? Stop! On va jouer dehors! À l'heure où je vous parle, il reste encore un éléphant, 2 hippopotames. Si tu dis un mot de ça aux parents, t'es cuit. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Si tu leur demandes s'ils sont aliens, bien sûr qu'ils te diront que non. Mais du coup, ils sauront que tu les as démasqués. Et là, pff, ils vont te lyophiliser, mon pauvre microbe. Ça veut dire quoi, lyophiliser? Ça veut dire qu'ils vont te sécher pour te réduire en poudre, comme mon petit frère d'avant. Comment ça, ton petit frère d'avant? Ouais, enfin, le cobaye qui a été lyophilisé avant toi, si tu préfères. Hé, c'est trop nul ton histoire de lyophiliser. Un peu d'eau et je me reconstitue. Dans tes rêves, microbe. Tu peux te verser dessus autant d'eau que tu voudras, ça changera rien. Lyophiliser, c'est pour la vie. C'est carrément irréversible. Mais ouais, t'as raison. À ta place, tu sais, je ferai pas trop le malin. On en reparlera quand on t'aura réduit en poudre. Je me laisserai pas lyophiliser. D'accord, t'es pas obligé de me croire, tant pis pour toi.
Va falloir qu'on te ramasse à la balayette. Oh. C'est vraiment dommage. Je t'aimais bien comme cobaye, sérieux. Regarde, là, il est en train de contacter le quartier général des services secrets aliens. Tiens, t'as vu? Elle vient d'installer un micro-espion invisible dans ton oreiller. Et voilà, il achète toutes les pièces nécessaires pour construire une machine à lyophiliser portable. Oui. Hey, j'ai reçu l'ordre de pas te quitter des yeux. Tu dois pas entrer dans le cabanon, sous aucun prétexte. Tu dis que papa fabrique la machine pour... Pour te réduire en poudre et t'emporter sur notre planète pour t'analyser. Oui, c'est ça, tu vois que tu comprends quand tu veux. Profite bien des dernières minutes qu'il te reste à vivre, capitaine Courage. Parce que je vais te transformer en pays au jus de viande. Si papa construit cet appareil, c'est parce que les parents savent que tu les as démasqués. Papa et maman, mes propres parents sont des aliens aussi. Je me demande ce qui ne va pas chez ton frère. Comme d'habitude, à peu près tout, pourquoi? Nina, je suis sérieuse, il nous évite, il détale comme un lapin dès qu'il nous voit. On dirait qu'on lui fait peur. Peut-être qu'il croit que vous avez découvert qu'il trichait pour avoir de bonnes notes. Hein? Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tom n'est pas un tricheur. Et d'ailleurs, comment tu l'as su, toi? C'est Microbe lui-même qui me l'a dit. Il m'a demandé si vous vous doutiez de quelque chose. Alors que moi, j'ai des bonnes notes et sans tricher en plus. Jamais! Jamais! Vous m'aurez jamais, vous m'entendez? Tom, ouvre cette porte, s'il te plaît, il faut qu'on te parle. C'est ça, pour que vous me réduisiez en poudre? Je vous préviens, si vous essayez de m'attraper, je vous pulvérise! Allons, Tom, on te dit d'ouvrir cette porte. Ne t'inquiète pas, on sait que tu triches à l'école, mais on va pas te manger. Quoi? J'ai jamais triché de ma vie! C'est encore une de vos ruses aliens pour que je vous ouvre! Allez-vous-en! Nina, j'ai comme l'impression que tu nous dois une petite explication. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai envoyé mon fidèle soldat filmer la machine à lyophiliser. Tu peux même pas imaginer la bête que c'est. C'est le plus rapide, le plus agile et le plus intelligent de tous mes soldats. Et d'ailleurs, en ce moment, il doit avoir rejoint les forces anti-aliennes pour leur fournir des preuves en images. Oh non, cours, Grippy, va vite filmer dans le cabanon. Il nous faut absolument des preuves, l'avenir de la planète est entre tes pattes. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec mon caméscope? À cause de tes âneries, maintenant ils savent que tu les as démasqués. Je commencerais à me faire du souci pour ma vie si j'étais à ta place, Microbe. Là, je suis désolée, mais je peux plus rien pour toi. Elle est en train de régénérer son enveloppe à cause de l'oxygène. Il vient de recevoir un avertissement de ses supérieurs aliens. Faut que je prévienne Cafard, lui au moins il me croira. Et en plus il va pouvoir m'aider. Oh non! Toi aussi, t'es dans le coup! Sûr qu'ils ont dû te laver le cerveau! Tom, viens ici! Où tu vas comme ça? Il faut que je prévienne les plus hautes autorités de la planète. Cafard est passé à l'ennemi! C'est le complot généralisé! Perds pas ton temps, Microbe. De toute façon, t'es fichu, je te dis. Ça y est, les voilà, ils viennent t'attraper. Elle va chercher la machine à lyophiliser. Alors, jeune homme, où est-ce que tu cours comme ça? Ce n'est pas l'heure de ton épisode de Capitaine Courage? Non, mais j'ai pas trop envie de regarder la télé. Mais si, installe-toi confortablement et régale-toi à regarder ton dessin animé préféré. Capitaine Courage, je vais te couper les oreilles pour la Pour te récompenser de tes très très bons résultats à l'école cette année... Et pour t'encourager à bien travailler par la suite, ton papa et moi, nous avons décidé de t'offrir un cadeau. Hein? Waouh! Génial! Tada! Et puisque Nina a essayé de nous faire croire que tu étais un tricheur, elle va nous aider à nettoyer la maison et à cuire un délicieux gâteau au chocolat pour ton goûter pendant que tu vas faire ta première balade en VTT.
Eh oui. Génial, ma journée en VTT avec Cafard. Et ton gâteau au chocolat, il était trop délicieux, l'alien. Je m'en fiche complètement, Microbe. Y a que mes vrais parents qui pouvaient me faire une surprise aussi chouette, ça c'est clair. C'est ce que tu crois. Mais en fait, c'est juste une méchante ruse alien. Mais ouais, c'est ça, t'as raison. Tu me prends pour un abruti ou quoi? T'as raté ton coup, l'alien. Maintenant, c'est toi qui vas être lyophilisé par tes supérieurs. T'as sûrement raison, Microbe. Mais t'es vraiment sûr que ce beau VTT tout neuf qu'on t'a offert n'est pas un nouveau modèle de pulvérisateur de cobaye? Hein?